dit au nom de Dieu. Amen. Nous avons. Nous sommes pas mal.
Si tu n'as pas encore déposé ton action de grâce, alors fais-le vite. Avant qu'on le prie. Nous devons déposer son action. Alors fais-le vite. Acclame très fort pour l'Éternel. God bless you. Mahou Neiro. You can have your seat. Tu peux t'asseoir à tes manani. Mia, Anna Minichi de Kakwe, Mia Sister Senyak, merci. Thank you, Sister. Go on. Sister Yedi. Come on, yes, you may. Je suis
Balance le thème dit éternel ou que vous avez. Si on a Jehovah Clémy, Thank you.
Let's pray. Nous allons prier Nyadogoda. Dieu de grâce, nous disons merci. Tu l'as déjà accompli. Accepte nos actions de grâce. Sanctifie-les. Éternel, nous entrons dans la parole. Pour nous nommer. Parle-nous. De la Jésus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que l'Église dise Amen. Assois-toi, Dieu te bénisse. Consider the very way away. Ça fait quelques semaines, quelques dimanches. Nous avons commencé un enseignement très important. Par rapport à certaines recommandations de Dieu. Nous avons commencé avec la parole qui dit qu'il a dit aux trois amis du temple de prendre leur sacrifice. Et d'aller vers le serviteur Job. Pour que Job prie pour eux. Et l'enseignement dit. Malgré que ces trois personnes étaient aussi des pasteurs, eux aussi ils enseignaient. Ils prêchaient également la parole de Dieu. Mais Dieu leur a dit de prendre leur sacrifice et d'aller vers son serviteur Job et pour qu'il fasse un sacrifice en leur faveur et qu'il prie pour eux. Et l'enseignement continue en disant, c'est Dieu qui choisit un père spirituel pour quelqu'un. C'est Dieu qui choisit à une personne l'église dans laquelle cette personne va adorer. Et c'est celui que Dieu connaît, c'est vers cette personne que Dieu t'enverra. Le dimanche passé, nous avons enseigné par rapport à comment les serviteurs connaissent ce qu'on appelle l'éthique ministérielle. Et qu'ils sachent que si les fidèles t'apportent une affaire, cela ne doit pas faire objet de causerie et de discussion avec tout le monde. En tant que serviteur et leader, quand les fidèles t'amènent leurs affaires, il faudra savoir comment on garde ça soigneusement. Cela ne doit pas faire un sujet de moquerie. Cela ne doit pas faire un sujet de commérage. Et l'enseignement est poursuivi en disant, alors si tu apportes tes affaires à n'importe qui se met l'étiquette de serviteur de Dieu dessus, alors tu auras des problèmes. Ce matin, je vais continuer. Et nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 1er. 1 Roi, chapitre 1er. Nous allons prendre ça à partir du verset 5. Adonijah, fils de Radjit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et
il était né après Absalom. Le verset 7. Et il eut un entretien avec Joab, fils de Tchérusha, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Le verset 8. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jérojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Le verset 9. Adonijah tuait des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre Zohelet qui est à côté dans Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes du Juda au service du roi. Verset 10. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Thank you. Merci. Nani. Assois-toi. We are speaking on the topic this morning, prophetic blessing, or fatherly blessing, or prophetic blessing. Nous considérons ce matin le thème qui dit la bénédiction prophétique ou bien la bénédiction paternelle. Quel est le cas de Yamiel et le coup de Tanyade et quel est le globe? N'y a pas de pour Yajira, alors et tant pour Yajiranchi. Pourquoi si on est là? Les versets que nous avons lus. L'un des fils est né de David, surnommé Adonijah. Adonijah est titre et y a poissé que Globena y est David et qui est à y est à croiser qui est à doufion. Alors la Bible dit, ce Adonijah se leva et dit, ben tiens, son père David, il est vieux, donc c'est lui qui doit se substituer à David en tant que roi. Et la Bible avait dit, toi David, et son papa ne lui a jamais fait de reproche en disant, mais tiens, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Cela signifie que son père aussi a accordé son approbation. Et convaincu ministre de défense, le ministre de sécurité et Joab. Et Adonijah a tout fait pour aller convaincre le ministre de la sécurité et Joab pour qu'il soit de son côté. Et il est également allé chercher un petit pasteur nommé Abiatar pour que lui aussi se tienne à ses côtés. Et il a loué une cinquantaine de voyous qui sont souvent devant lui et quand Adonijah passe, on l'apprécie en disant l'honorable roi. Un jour, et ils avaient planifié qu'il allait déclarer le roi. Et ils se sont rassemblés. La Bible dit qu'ils ont offert des sacrifices. Ils avaient mangé. Et eux-mêmes, ils se disaient qu'ils intronisaient le roi. Le verset 10 dit, mais Adonijah me
prophète Nathan. Adonijah n'invita point le prophète Nathan. Et il n'appelait point le grand sacrificateur Zadok. Quand on dit le grand sacrificateur Zadok, prophète Nathan. Et le prophète Nathan. Ce sont des puissants hommes de Dieu qui se sont tenus aux côtés de David et ont affermi le royaume de David. Plusieurs années. Tout ce que David allait faire, David, il les appelait toujours. En disant, Zadok, qu'est-ce que tu as à dire? Nathan, qu'est-ce que tu as à dire? Comment allons-nous procéder? J'ai besoin de votre bénédiction. Et j'ai besoin de vos conseils. Malheureusement, ce jeune Adonijah, il n'a pas appris de son père. Il ne sait pas comment on respecte les anciens. Il s'est levé en voulant introduire un roi. Et étant donné que son papa ne lui a pas fait de reproches, il dit, ben tiens, c'est assez pour lui. Quand il était efforcé, il s'est efforcé et il s'est attiré aux côtés de lui les soldats. Alors il s'est dit qu'il a déjà le trône. Malheureusement pour Adonijah, personne ne lui a dit qu'avant qu'il ne devienne roi, il faut voir les anciens. Alléluia. Amen. Avant d'avoir la victoire, que ce soit à l'examen, que ce soit une tentative de mariage, que ce soit un commerce, on voit toujours les aînés, les anciens, et c'est les anciens qui vont vous bénir avant d'aller afin faire la chose. Adonijah méconnaissait cela. Alors il a laissé de côté, il a invité les grandes personnalités. Il a oublié le prophète Nathan. Il a oublié l'homme de Dieu Zadok. Ce vers qui il doit aller très tôt le matin. Préparant une enveloppe assez conséquente. Avec une enveloppe prophétique. Pour ça, un sacrifice. Pour aller leur donner. Avec papa. En disant, papa. Je veux aller à l'élection. Papa. Je veux aller à une interview. Je veux me marier. Je vais construire maison. Je vais créer un atelier. Bénis-moi. Et on leur imposera la main. Adonijah méconnaissait cela. Et il ne l'a pas non plus pris en considération. Et pour lui, il a déjà le trône. Il a le trône court. Mais il n'a pas appelé Zadok et Nathan. Cette erreur qu'Adonijah a commis, le trône s'est échappé de ses mains. Et le trône est venu entrer entre les mains de Salomon. Parce que quand il était au lieu de la fête, un message arriva vers Nathan et Zadok. En disant, tiens, Adonijah est en train d'être introduisé aujourd'hui et nous ne sommes pas au courant. Et ils ont dit, ben tiens, vous dites quoi? Ce n'est qu'un gamin. Il badine. Il ne pourra pas. C'était comme Afrique avec du plola. Un président africain. Celui qui se dit qu'il veut être président en Afrique. Et il n'a pas de puissance. Le pouvoir colonial master au bord.
auprès des colonies, ou bien des colons, pardon. Où passeras-tu? Tu peux avoir gagné les élections. On te dira, tu as 0%. Qu'est-ce que tu vas faire? N'avec que moi les sénateurs. Tel que cela est, dans le physique, dans la politique, c'est de la même manière dans le règne spirituel. Alléluia, amen. À l'époque de nos pères, quand un chasseur, un jeune chasseur veut aller dans la forêt pour chasser, il viendra se soumettre aux anciens chasseurs. Et on va te taper dans le dos. On va te taper dans le dos. On va te dire va. Quand on te dit va, cela signifie que les chasseurs anciens sont derrière toi. Et nous sur la ferme. Les choses qui sont dans la forêt. Si on le matelangouna. Qui mange les chasseurs. On va te ne pourront pas te manger. Le quand les anciens chasseurs sont derrière toi. Amen. Et j'ai enseigné l'autre dimanche en disant, quand tu veux bâtir une maison, ou bien tu as déjà bâti une maison, tu veux déménager pour t'y installer, ou bien tu veux poser la fondation de la maison, et puis les nids, tu n'es qu'un gamin. Tu n'as pas de poitrine. Pour faire face à ces choses qui sont dans la maison. Tous ceux qui vont dans une nouvelle maison, soit une affaire de mort surgit dans la maison, une maladie incurable, brisure de foyer, eux-mêmes ils étaient intimes avant de déménager, mais une fois arrivés sur les lieux, trouble au point que le mariage sera brisé. Alors business, ou bien le commerce, l'activité que tu fais avant de trouver l'argent pour bâtir cette maison, cette activité sera détruite. C'est pourquoi un enfant ne bâtit pas de maison. Et au point de déménager pour t'y installer. Seuls les anciens ou bien les aînés peuvent construire de maison. Les anciens doivent d'abord entrer dans la maison. Avant que l'enfant entre, tu as besoin de certaines bénédictions. Alléluia, somebody. Amen. Somebody a said hallelujah, somebody. Amen. Adonijah a commis une erreur. Il a commis une erreur. Et cette erreur, Raymond, cela a fait que le trône s'est échappé de sa main. Et non seulement le trône, l'erreur l'a également conduit à la mort. Il a fait de sa longue vie une vie courte. Parce que ces grands hommes de Dieu, qu'il a minimisé, mis de côté, il les a dépassés, les a vilipendés, il ne les a pas honorés. Il ne leur a pas donné à manger. Ils sont restés dedans. Et ils ont le programme. Et ils ont annulé le programme, détruit le programme. Au moment où ils étaient en train d'introniser le roi, ils ont appris que on a intronisé un autre roi. Alléluia. Amen. Ils ont appris que voilà un autre roi déjà assis sur le trône. Et Bible et la Bible dit ils se sont dispersés. Au lieu d'intronisation, ils se sont dispersés. Et chacun a pris son chemin. Pourquoi? Parce que il faut avoir des gens derrière toi pour pouvoir réussir. Et ce n'est pas juste des personnes. Quelqu'un qui peut faire face à la frayeur de la nuit. Quelqu'un qui peut faire face aux sorciers, aux enchanteurs. Les jeunes d'aujourd'hui, comme Adonijah,
Mes school. J'ai fait des études. Mais nous diplôme. J'ai des diplômes. Carassine. J'ai de l'argent. Pasteur autonome. C'est le pasteur qui m'a fait travailler. C'est le pasteur qui m'a fait avoir de l'argent. Ce n'est pas moi-même qui ai acheté mon terrain. C'est pas de problème. Il y a quelque chose qui est plus grand que l'argent que tu as dans la poche. Quelque chose plus grand que tes études que tu as faites. Tu feras face à certaines choses dans la vie, tu ne peux pas les porter. C'est un pierre qu'on te jettera. C'est quelqu'un qui doit le recevoir. C'est pour ça que les enfants de Dieu payent la dîme. C'est pour ça que les enfants de Dieu bénissent le prophète. C'est pourquoi quand la Bible dit ne venez pas dans ma maison les mains vides, c'est quelque chose. Ce père spirituel, il prend quelque chose en ta place. Je vais terminer avec cette expression et dans ce moment que je vais poursuivre. Il y a de ça plusieurs années, quand l'homme de Dieu voulait construire dans son village, le terrain sur lequel il allait construire, les anciens fidèles savent l'avoir fait nos cultes. C'était un terrain litigieux depuis l'époque de mes grands-parents. Et quand quelqu'un va sur ce terrain pour construire, il meurt. Quand j'ai dit que j'allais construire là-bas, j'étais jeune. Un jeune. On avait commencé nouvellement l'église. Et je me souviens, mon papa m'a dit, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas faire face à l'affaire de ce terrain. Si ce serait bien, lui-même, il va quitter le Ghana pour venir rester au village. Jusqu'à ce que le tout clan soit construit. Toutes ces dépenses, nourriture, papa devait s'en occuper. Que ce n'est pas papa qui construisait, mais c'est son père plutôt qui construisait. Quand il a dit, je n'ai pas compris ça. On a commencé la fondation. Quelques jours. Un jour, en plein soleil, à l'époque, le siège était en femme. Clinique de Glo. Clinique de Glo. En plein jour. En plein jour, en plein soleil. Je m'ai ouvert les yeux. J'ai vu trois vieillards. Elles étaient, disons, presque nues avec leurs. Ils avaient des marmites à la tête. Ils sont à la maison. Et ils ont dit, ils ont creusé une tombe dans la maison. Là où on a creusé le puits, ils ont creusé une tombe. Et ils disent, c'est la tombe de l'enfant qui dit qu'il est bâti ici. Ce qu'on appelle varicelle immédiatement de la tête jusqu'au pied. Il a dit, ah bon, le combat a commencé. Une maladie a commencé. Aujourd'hui, vous criez tous, dangerous prayer, dangerous prayer. Dangerous prayer. C'est le début de la prière dangereuse. C'est ce qu'on appelle le début de la prière dangereuse. Et ce moment-là, on a commencé la prière dangereuse. C'est ce qui fut également le début de dépécitif. Et nous avons vu que cette affaire, on ne peut que combattre là-bas. Et chaque mois, nous allons là-bas avec des intercesseurs. Et nous faisons trois jours à la maison pour prier.
Priez contre les démons en disant les méchants qui sont dans la maison, que Dieu les saute. Tel genre de prière nous adressons. Jusqu'à cela nous devient le camp de prière dépécité à ce jour. Alléluia. Amen. Et si je ne connaissais pas ces prières, j'allais être victime. Alléluia. Amen. Parce que les aînés, bien un aîné en a parlé, je ne l'ai pas compris. C'est grâce aux aînés, les soutenants, qu'on arrive à faire quelque chose. L'argent que tu penses donner à l'ancien, le sacrifice que tu penses faire, n'est pas encore égal à ce qui devrait t'arriver. Si l'aîné n'est pas derrière toi, il faut avoir un aîné derrière soi. C'est lui qui prend l'affaire, prend les efforts. Si Salomon a pris le trône, Salomon n'a rien fait. Il n'a même pas parlé. Il était dans son sommeil. Le prophète Nathan. Et le grand sacrificateur Sadoc. Ils se sont levés. Ils ont appelé la maman de Salomon. On est ici. Tu es ici. Quelqu'un est en train de prendre. Et vous deux, on va vous tuer dans deux jours. Lève-toi et va jouer ton enfant. Il va annoncer que Kadonisa est en train de prendre sur le sac. Et quand on était en train de lui parler, nous allons entrer dedans. Et nous viendrons parler. Alléluia. Amen. Et la dame s'est levée. Et elle est allée vers le roi. En train de faire ce que les femmes savent bien faire. Et les aînés sont entrés. En disant, madame sort. Et ils ont dit, roi. Roi. Que se passe-t-il? Adonijah est en train de prendre le trône et nous ne sommes pas au courant. Le roi dit, vous dites quoi? Est-ce que vous faites habituellement comme ça? Je suis avant qu'il ne sache ce qui arrive, on est allé prendre Salomon à la maison. Le déposer sur le trône. On a versé de l'huile sur ta tête. Et Salomon ne savait pas quoi. Que certaines personnes combattaient. Et ils ont reçu la balle à sa place. Bien aimé. Apprends comment on se soumet aux aînés. La bénédiction des aînés. Alléluia somebody. Amen. Alléluia somebody. Amen. Si tu connais ces affaires, tu marches selon cela. La vie sera légère pour toi. Mais si tu ne les connais pas, tu vas croiser certaines choses dans cette vie. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Car elles sont plus puissantes que toi. Le ce monde est assez grand. Elle est complexe. Il y a tant de voix dedans. Quelqu'un doit te montrer la voie. Et c'est par ici qu'on passe. Quelqu'un doit combattre en ta faveur. Et c'est pour ça que si tu vois une bonne chose, ne le mange pas tout seul. Souviens-toi de ton père. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui combat en ta faveur. Lève-toi sur tes pieds. Ce matin, je prie pour quelqu'un que l'erreur qu'a commis Adonijah, toi tu ne commettrais pas cette erreur. Et je prie pour quelqu'un, allez Salomon là, l'homme, tel que Salomon était en train de dormir. On l'a déposé sur le trône. Que l'Éternel te dépose sur un trône. Que l'Éternel te dépose sur un trône.
Je prie pour toi. Le commun, spirituellement, le chinam, physiquement, la jaune, dans le commerce, le commun, dans le travail. Maouyana comment Dieu marche avec toi. Maouyana comment Dieu commande à tes faveurs. Comment Dieu te défend. Maouyana du chinam. Dieu te donne la victoire. Le haut de tes commandes. Dans tes jours de tentation, comment Dieu vole à ton secours. Aujourd'hui, comment Dieu te sauve. Tous les pieds qu'on lance vers toi, quand cet pied passe au-delà de ta tête. Au nom de Jésus-Christ, là où on t'amène, comment Dieu parle en ta faveur. Comment Dieu te défend. Comment Dieu te donne la victoire. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Le travail réussira. Le marché réussira. Le travail réussira. Le travail réussira. Au nom de Jésus. En tout domaine où il pense que tu es à l'homme, ce matin, je prie pour toi. Pour le chemin comme un. En tant qu'homme de Dieu, la gloire de Dieu qui repose sur moi. Et l'onction qui repose sur moi. Et je prie pour toi. Quand tu ne vas pas guérir, tu entends le travail. Quand tu commences à se faire de toi, il faudrait que ce soit de toi. Dans la maison que Dieu soit derrière toi. Et que Dieu te défende. Comment Dieu te donne la victoire. Et Jésus-Christ se met comme cela. Tu ne seras jamais victime. Les choses qui tuent les gens ne te tueront pas. Les choses qui détruisent les gens ne te détruiront pas. God will help you. My work on out. God will help you. My work on out. God will help you. My work on out. Say my God will help you. My work on out. God will help you. My work on out. God will bless you. My work on out. God will sanctify you. My work on you. In the name of Jesus Christ. Yes, you will succeed. My man, you know. Tu réussiras. My man, you know. Tu réussiras. My man, you are see. My man, you. Quand tu réussis au travail, réussis au marché. Réussis au foyer. You will back. My man, you. Quand tes enfants réussissent. Let it be well with you. Amen. In the name of Jesus. Yes, you will succeed. Accord DJ Jogodo. You will succeed. Accord DJ Jogodo. I say you will succeed. And you will share testimony. Goodness and mercy. We follow you. All the days of your life. You will not break. You will not break. You will not break. You will not break. God will provide for you. God will provide for you. In Jesus. Hallelujah. Amen. Tout le monde dans le temple. Dans ses gommes. Mets la main dans la poche. Que la sorte le lecteur. Tout ce que tu as fait, ça compte ta tête. Ça va bien, on va pour ça. Et bien, j'ai posé ça sur le. Le en face de l'heure de la réalité, l'heure de la réalité, avec l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu, enseignement, prédication, prédication. Confesser à Dieu seul n'est pas encore accès. Also confess to the person who you see a guest. Confessez cela également à cette personne-là que vous avez offensé. Prière, délivrance, restauration des âmes, libération spirituelle. Conseil, accompagnement moral ou psychologique, un seul contact. Le 90 05 39 19. Que Dieu vous bénisse.